ce dimanche 24 septembre, l'Écosse a remporté sa première victoire dans ce mondial 2023 en dominant les Tonga 45 à 17. Un succès convaincant qui donne aux Écossais le droit de rêver à une qualification pour les quarts de finale malgré une troisième place dans cette poule si dominée par l'Irlande et l'Afrique du Sud. Le choc remporté la veille par l'Irlande devant l'Afrique du Sud 13 à 8 a atteint un tel niveau d'intensité qu'on en avait presque oublié le troisième larron du groupe de la mort. Les Écossais, 5e mondiaux, le meilleur classement de leur histoire, n'ont pas encore dit leur dernier mot dans ce mondial malgré leur défaite inaugurale face aux Springboks 18 à 3. Champion sortant. Après un hiatus de 2 semaines, ils avaient absolument besoin d'un bonus contre les puissants Tongiens et ils sont parvenus à l'assurer avant même la mi-temps 45 à 17. Il leur faudra maintenant pour voir l'écart un nouveau succès bonifié face à la Roumanie, ce qui devrait être une formalité, puis battre l'Irlande sans lui laisser le bonus. À entendre les commentaires, on dirait que l'Irlande est déjà en quart contre la Nouvelle-Zélande. On sait qu'on doit gagner nos 2 derniers matchs pour que ce ne soit pas le cas, a déclaré le sélectionneur du 15 du Chardon, Gregor Townsend. De son côté, Finn Russell, le demi d'ouverture écossais, a reconnu que le 15 du Chardon aurait pu faire mieux face aux Tonga. On est satisfait du résultat. On a pris le point de bonus dont on avait besoin. Mais on a manqué trop d'occasions. On doit être plus exigeant envers nous-mêmes, aussi bien à l'entraînement qu'en match. Il va falloir faire mieux lors des prochains matchs si on veut aller plus loin dans le tournoi. Il y a encore du travail.